Oh la vache, ils ont coupé l'électricité. Ennemi à terre. Il tente de repartir. Le suspect sort du véhicule. Police, arrêtez-vous. Police, arrêtez-vous. Suspect, le suspect, une arme, le suspect, une arme. À couvert. On a besoin de renfort immédiatement sur position. Coup de feu sur officier, coup de feu sur officier. Hello, hello. C'est Mr. Genesis et on se retrouve enfin sur GTA 5 LSPDFR. Depuis le temps que j'avais pas fait d'épisode, je pense que c'est le moment de renouer avec les épisodes. Si tu veux bien te dépêcher, toi, ça m'arrangerait. Donc, comme je l'avais dit, on passe sur du 100% Frenchy avec la police française, gendarmerie française. Bon, il n'y a pas les call-out français, il n'y a pas encore la radio française, il me semble pas. Ouais, c'est rouge, mais. Je commence bien dès le début. Vous allez sûrement voir les véhicules que j'ai installés. De toute façon, l'intro, vous allez vous les présenter. C'était l'objectif. On va passer par là. C'était l'objectif de l'introduction, de vous présenter les véhicules. De toute façon, je pense que on fera un ou deux véhicules maintenant, à partir de maintenant, pour chaque épisode. C'est vert pour moi, d'ailleurs, je peux y aller. Je pense qu'on va pas tarder à attaquer le vif du sujet dès qu'on trouvera quelque chose d'intéressant ou qu'on nous appellera de façon intéressante. Globalement, donc, j'explique ce qui va se passer. Pourquoi je m'arrête, je sais pas. On aura donc la police nationale. Parce que là, c'est municipal, mais j'ai pas trouvé le skin de cette petite magnifique Opel Astra. Ah bah tiens, on va commencer par un bus volé. Ok, dispatch. Je pars en code 3. Code 3, c'est bien ça. Code 3. Il arrive vers nous. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est caler des hers. Ah bah oui, bien sûr, il tourne. Arrêtez votre véhicule. Ah bah ça va être simple. On va sortir le taser. Police, sortez du bus. Sortez du bus. Non. Monte sur le capot. Voilà. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, revenez ici. Alors oui, il y aura quelques véhicules ELS. Celui-là d'ailleurs, les ELS. D'autres moins ELS d'ailleurs. Vous... Non, venez ici, monsieur. Monsieur, venez ici. Faut que j'aille décharger la voie. En plus, là, le bus pour le faire rapatrier avec une dépanneuse, c'est pas trop possible. Donc, ce qu'on va faire. Hop, je passe, je vais. Oh, calme-toi, toi. Tu veux bien? On va couper la sirène. On va laisser les gyros, mais on va rester en code 2 parce qu'on a encore une intervention. On n'a pas fini l'intervention. Donc, vous voyez que j'ai installé des véhicules. Parce que là, c'est des véhicules que vous voyez pas. C'est un bus RATP tagué. Alors, j'avais envie de faire genre. On va le mettre sur le côté. Ça me plaît pas vraiment de pas le rapatrier, mais une dépanneuse là, malheureusement, j'ai des doutes. Alors, on va demander un pet check. Alors, vous voyez qu'il y a une nouvelle radio. Tout simplement parce que Police Radio n'est plus à jour. Donc il s'appelle Dust Smith. On va aller tester ça dans la voiture. Donc il n'est pas recherché. Il a son permis. Donc il a déjà volé un bus. Moi ce que je veux savoir c'est... c'est ça. Voilà. Ben non, je suis con parce que j'ai fait un pet check. Je suis idiot. On va le fouiller. Ah ben le bus a despawn. On va le fouiller pour... merde. On va le fouiller juste rapidement pour savoir s'il n'avait pas des objets dangereux sur lui. Et après je vais appeler un transport parce que je pense que dans cet épisode je m'occuperai pas de faire le... Alors. Un couteau de poche. Et un viseur de... Un viseur de quelque chose.
Cutters. Un viseur coupé, son genre. Du coup, on va appeler un transport pour ce monsieur. On va attendre qu'ils arrivent. Et on va reprendre notre patrouille tout doucement. Donc, j'ai aussi installé des beaux skins. Alors, ça, c'est le skin de Matt Zepol, il me semble. Sur la police française. La police de ville, police nationale. Ce qui fait que c'est pas tout à fait raccord avec la voiture que j'ai ici, mais c'est pas très grave. Donc on va reprendre la patrouille. Comme d'habitude, je ferai des petites coupures si jamais il n'y a rien. Pour que vous, ça, vous n'ayez pas à attendre. Et s'il y a quelque chose des... Alors, véhicule usual occupants wanted. Un véhicule avec des occupants à l'intérieur qui sont recherchés. Et bien vous savez quoi? On part. Alors, je pense que c'est genre de... Murdering! Ah, oulala! On part en code 3. Immédiatement, il est sur l'autoroute. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va pas prendre par là. On va couper. Oh merde! Putain! Ah, bah, je commence bien cet épisode! Ah non, mais dans chaque épisode, il y a des conneries. Et forcément, il fallait que ça arrive. On va passer par là. Là, vu où il va, on va plutôt passer par là. Donc je vais essayer d'être un peu plus RP également. J'ai récupéré les codes de police. Alors j'ai pas trouvé ce français, donc je ferai avec ce américain. On va éviter d'alerter les gens cherchés. Hop, on passe en code 1. Alors je répète pour ceux qui savent pas, code 1 c'est... C'est la virgule ici. Parfait, je vais pouvoir me caler juste derrière elle. Hop là! C'est parfait. Alors. Merde, putain. Voilà. On va couper la sirène. On remet la sirène. Dispatch, j'aurais besoin de support aérien. Le suspect fuit. Le ou les suspects, d'ailleurs, j'ai pas vérifié si c'est dans les plusieurs. Il y en a qu'un. La suspecte, d'ailleurs. Police, arrêtez votre véhicule! On va demander au dispatch si je peux faire... Oh putain! Ah merci le camion! Bah du coup j'ai pas besoin de faire un pit. Sortez du véhicule, madame, sortez du véhicule! Mets en l'air, mettez-vous. Putain! Le suspect a une arme, le suspect a une arme, je répète. Oh bah c'est bon. J'essaie de faire un arrêt. Madame, posez votre arme. Posez votre arme. Suspect down. Oh merde, putain, je me prends à parler anglais maintenant. Ah putain, là les PNJ qui partent en couille. On va couper les sirènes, parce que du coup ça fout la merde. Et Oko, calme-toi toi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Faudrait que peut-être que j'appelle les coro... Oh putain. Oh là 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 là, les coronaires. Hop, on appelle les coronaires. Le camion là, ah ouais, mais attends. Non, non, mais oh, doucement. Oh là 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 là, oh là 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 là. C'est n'importe quoi. On va bouger le camion, parce que ça fout le bordel sur tout le trafic. Oh là là. Allez. Voilà, les coronaires sont arrivés. Merde, je crois que j'ai quelqu'un qui est mort là. Ah non, c'est bon. Il y a une ambulance sur place. Oh là là, c'est le bordel. Alors je pense que je vais vous éviter ça. Et je vous dis à tout de suite. Ok, central, je prends, je pars en code 3. Donc là, apparemment, on a un vol en cours dans une maison. Donc un cambriolage. Donc on part directement en code 3, ça a l'air d'être assez loin, donc on va se dépêcher. En espérant qu'on arrive à temps. De toute façon, quand on va arriver sur place, il faudra qu'on attende un backup. C'est trop dangereux d'y aller tout seul. S'ils sont plusieurs, ils peuvent nous prendre par surprise dans des maisons. Et je suis en train de faire n'importe quoi. Poussez-vous s'il vous plaît. Pousse-toi, mais pousse-toi. Et il me fait un doigt d'honneur en plus. Si j'avais pas, si j'étais pas pressé, je me serais arrêté, mais là... Allez, on est sur place. Oula! Mais où est-ce que c'est ce truc?
Ah ok, c'est là. Attends, je vais couper la sirène parce qu'elle m'énerve. Et on sort. Oui madame. Où j'attends le backup. Alors, la question c'est de savoir où c'est. Où est-ce que c'est l'entrée? Je dois être par là. De toute façon, j'attends le backup qui arrive. Parce que... on sait jamais. Je vais prendre le taser. J'aime bien cette tenue. Franchement, cette tenue est vraiment cool. Allez. Non, mais c'est bon. Le backup est là. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Contrôle E pour entrer. Ok. Donc ça doit être dans le bâtiment là. Ok. On est prêt. Attention, on est parti. Police, est-ce que quelqu'un est là? On fait doucement. Police! Personne. Ils ont pas d'armes. Regardez, ils ont pas d'armes. C'est n'importe quoi. Mais pousse-toi. Laisse-moi passer. Pour l'instant, ça va. J'ai rien de... Je suis pas... on sait jamais. RAS. On fait l'étage inférieur. RAS à l'étage... enfin, en haut. Donc on va aller en bas en espérant qu'on les trouve. RAS dans la chambre. RAS dans la chambre, dans la zone de changement. Il est là. Ah merde, il était là. Mais le frappez pas. Mais putain, mais ils sont cons. Putain, les IA. Bah alors là, laisse tomber parce que... En plus, pour appeler les coronaires... Ah bah si. On va appeler... Alors, central, j'aurais besoin de coronaires sur ma position, s'il vous plaît. Alors, on va vérifier. Est-ce que je peux avoir un truc avec PED un... Non, non, bien sûr, il est pas. On va faire un call, hein. Un call. Voilà. Enfin, les coronaires sont arrivés assez vite. Je suis plutôt content de ce véhicule d'ailleurs. De coroner. Je le trouve plutôt bien fait. Voilà. Donc on va pouvoir reprendre la patrouille. Alors mon véhicule est un peu abîmé mais ça devrait aller. Allez, passe. Non, tu veux pas passer par là? C'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Oh, non. Non, j'ai pas envie de m'occuper d'un vieux qui est en plein milieu de la route. Allez, passez. Où sont mes collègues? Ils sont là-bas. Ah, ils sont en contre-foot, quoi. Ah, bon, je fais la même chose, j'ai envie de dire, quand... Okay. C'est assez étrange. Oui. Hop, on prend, allez. On prend un code 3. Ok, central, je prends. Alors, n'hésitez pas à me dire si l'introduction vous a plu. Dans les commentaires, ça m'intéresse les retours commentaires. White Mammoth SUV. Donc là, c'est ok, je vois ce que c'est. Donc il faut retrouver le véhicule. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ouais, s'il y a quelque chose qui vous pensez que je pourrais améliorer ou des choses comme ça. Alors, il faut trouver le véhicule. On va passer en code 2. Faut trouver un Mammoth blanc. C'est vrai, c'est les Patriots en fait, me semble. Dans la zone jaune. Il y en a un noir là. Ah, il bouge. Il bouge. Alors, il doit être par là. Ah, il est là-bas. Là. C'est bon, je l'ai. Hop, on passe en... What? Ah ouais, putain! Alors, on va attendre qu'il soit passé ouvert. On va faire un check de plaque, tiens.
Central, j'aurais besoin d'un check de plaque sur une plaque 8-0. Oh putain, Anne, je me souviens plus. Attendez, j'essaie bien de. En fait, j'essaie de. Alors, on va l'arrêter parce que là, c'est un vrai carnage. Monsieur, arrêtez-vous. Il va s'arrêter en plein milieu, voilà, bien sûr. Allez, tu me suis. On va se mettre sur le bas-côté. Bon, alors, il devrait pas fuir. Putain, en plus, on va gêner toute la circulation là. Ça va être horrible. J'aime pas me mettre dans des situations comme ça. Bonjour, madame. Vous vous rendez compte que c'est hyper dangereux votre truc là sur le toit? Je voudrais vos papiers d'identité, s'il vous plaît. D'identité, s'il vous plaît. D'identité, s'il vous plaît. Lily Ward. Alors, on va aller checker ça rapidement. Lily Ward. Il y a des. Alors. Lily Ward, est-ce qu'elle est recherchée? Non, pas recherchée. Bon! De toute façon, c'est hyper dangereux ce qu'elle fait là. Donc, on va lui mettre une amende commerciale ou individuelle. Moi, j'irai individuelle parce que c'est un particulier. Ça lui fait 100 euros d'amende, 3 points. Et bon, on va pas lui saisir le véhicule non plus. Allez hop! Et on fait ça. Alors, je vous mettrai dans la description, comme d'habitude, j'ai envie de dire, le véhicule que j'ai utilisé dans cet épisode, plus la musique d'intro, parce qu'il y en a qui me la demandent, qui me les demandent, les musiques d'intro, et bah, tous les plugins que j'utilise globalement. Et voilà! Et faites attention, madame, et me roulez pas dessus, prenez votre temps. Et attachez-moi ça la prochaine fois. Non mais je vous jure. Bon bah du coup, on repart par là. Ouais. Citizens report a suspect resisting arrest in Vespucci Canals. 10-4 centrale, je me rends sur place. Il faudrait peut-être. Eh bien. Ah, je me disais. Ouais. On n'est pas très loin. On va aller sur la position assez vite. Et la petite étoile. Hop, on va passer en silencieux. Passer en code 1. Il me semble que c'est ça. On passe au rouge, mais. Il ne faut pas le dire. Oh, c'est des petits ralentissements. Ah, arrêtez-vous, police! Dispatch, j'aurais besoin d'un support aérien, s'il vous plaît. Pour éviter de perdre. Bon, c'est un camion, mais on sait jamais quoi. Éviter de perdre le camion. Alors là, pour arrêter un camion avec ça, bonne chance. Police, arrêtez le camion! On va rapidement faire un check de plaque. Central, j'aurais besoin d'un check de plaque pour un véhicule immatriculé 6-7 Delta Echo India 148. Ok, il n'est pas recherché. Bon, hormis le fait qu'il soit volé maintenant. Police, arrêtez le véhicule! Ah, mais non, mais. Ça a marché, ça a marché! Police, sortez du camion! Sortez du camion! Putain, je le vois pas. Il est où, il est où, il est où? Ah putain! On m'écrase! Le suspect s'enfuit à pied! Police, arrêtez-vous! Ouais, on va essayer d'arriver à sa hauteur. Allez! Allez, allez, allez! Police, arrêtez-vous! Police, arrêtez-vous! Mets en l'air et mettez-vous au sol. Fouf! Bon, je trouve qu'on l'a plutôt bien arrêté, celui-là. Monsieur, vous allez me suivre, s'il vous plaît. Moi, je vais courir. Il va me suivre à pied. On va essayer de bouger ce camion. Peut-être
peut-être dû mettre le... Ah non, ils viennent de spawn, ok. Bon, vous savez que ce que je propose, c'est que celui-là, on le ramène. Ah mon dieu. On va partir en code 2. On va se mettre là. Ah bon, là, il monte dans le véhicule. Et on va le ramener le plus vite possible. Directement à la prison. Oh, en cellule. Pour l'instant, on va pas en prison parce qu'il est, il est pas encore jugé. Donc, en cellule. Vous aurez remarqué peut-être aussi que j'ai mis les panneaux de signalisation français. Je les ai trouvés. De toute façon, c'est le genre de mode qu'on trouve sur la barre au team. Je vous mettrai le lien en description pour le site. Ce sont des modeurs qui font des modes français. Donc des véhicules français, je sais pas. Il y a plein de choses intéressantes. Si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Discat Dispatch, je m'en occupe. Ok, donc on passe sur, on part sur un vol de, dans un magasin qui sera en cours, un peu loin d'ici. C'est toujours assez loin, mais on va être assez vite sur position. On part en code 3, bien sûr. Et je pense que je vais appeler peut-être des, oula, je fais du drift avec ma voiture. Des renforts peut-être assez vite. Ah oui, c'est carrément là. Ah oui, oui, on va appeler des renforts très vite même. Merde. Putain, je commence bien. Alors désolé, parce qu'en fait il y a un petit orage. J'appelle le SWAT. Et j'avance. Ok. On a 3 armes armées au fond. Ils sont bugués. Police, main en l'air. Putain, c'est le bordel général. Bah sérieux? J'ose pas rentrer en fait. J'ose pas rentrer. Ah putain, ils sont actifs, ça y est. J'osais pas rentrer dans la mesure où ils sont armés. Police! Oh putain, j'y prends cher. Ils sont où les renforts? Merde, je suis en train de bouger la porte là. Non, laissez ouvert cette porte. Ah ouf, ouh, j'ai pris cher. Vite, on va appeler le SWAT. Qu'est-ce qu'il fait mon personnage là? Mets-toi là, voilà. On a un otage, il faudrait éviter de la tuer en fait. Où est le SWAT, merde? Putain! Un suspect à terre, je répète, un nouveau suspect à terre. Je prends cher. Est-ce que je peux me filer éventuellement? Non. On sait jamais, j'aurais pu avoir une barre chocolatée. Bon, ah, j'ai le SWAT. Ça y est, le SWAT. Le GIGN est là. Donc, c'est... Non, c'est le raid. Merde, j'ai tué un mec du raid. Code 99, on a un soldat, on a un policier à terre. Je suis en train de prendre cher. J'ai appelé les une ambulance. Merde, c'est pas ça les ambulances? Ah non, c'est ça. Il me semble, voilà, c'est ça. On a une ambulance qui arrive sur position. On a deux... Putain, il prend cher. Je me mets sur le côté, j'ai pas envie de crever. Donc vous voyez qu'on a l'ambulance sur la mini-carte qui bouge.
Après, je peux lui demander de se dépêcher, mais elle est là normalement. Et il a spawné là ou non, c'est un bug. Police! Mettez votre arme en évidence et lâchez-la. Suspect à terre, suspect à terre. Ok, on a le... Merde, j'ai un problème sur le... Alors je m'occupe pas de ça, on va appeler des... Non, les ambulances sont là. Non, mais l'ambulance, qu'est-ce que... L'ambulance... Merde, désolé, what? Je pars en intervention directe sur le... Sur le conducteur qui les attendait. Oh putain, l'écurie qui est en train de faire n'importe quoi. Quoi? Il est dans un camion, Ben! Sortez du véhicule! Sortez du véhicule! Bon, au moins on en a un, eu un vivant. Mets en l'air et mettez-vous sur le sol, doucement. Faut voir le côté positif. Ok, ok central, code 4, suspect arrêté. Je vais arrêter cette putain d'alarme. Attends, on va demander un transport pour... je sais comment il s'appelle, machin Harvey, il me semble. Voilà. Ils sont sur l'autoroute, quoi. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, alors, on fait quoi de ce camion Ben? Pourquoi j'ai une ambulance là qui me suit? Pourquoi j'ai un ambulancier qui se pointe ici? C'est pas moi qui veux aller voir, c'est les mecs du raid. Ah mais il m'a redonné de la vie. Oh c'est gentil. Ah sympathique. Bon alors on va juste bouger ce camion. On va le garer là, tiens. Ça me paraît être une bonne idée. Ah ok, ils vont. Ah il est coincé. Genre il est bugué. Attendez. Non bon c'est pas grave. J'insiste pas plus. Ok donc tu restes là. Ok donc on va faire envoyer l'ambulance, c'est bien qu'on peut le faire. Voilà. Hop, quand c'est le MS. Voilà. Ok. Et là je trouve que c'était assez mouvementé. On va... Arrêtez le gyrophare. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ces IA. Hein. Voilà. Ah, maintenant t'as trouvé le chemin. Non, rien, j'ai quand même pété un phare, il me semble. Ouais. Oh, faut que je la ferai réparer. Donc, bon, on se retrouve tout de suite avec un nouveau véhicule. Je vais faire une dernière intervention avec un nouveau véhicule. On va passer par là. Non, tu me laisses passer. Ok, central, j'aurais besoin d'une identification sur une plaque de un Foxtrot Whiskey Juliet 835, s'il vous plaît. Ok, pas l'air d'être recherché, mais apparemment il est marqué sur mon GPS comme étant important. Il a peut-être pas sa ceinture. Attendez. Bon, je vais essayer de voir s'il a pas sa... Il a pas sa ceinture. Ok, on va l'arrêter. Wow, et comment il a coupé la route et... Bon, Eh ben... Oh merde. Mais... Comment ça, mes sirènes veulent pas se... Ah, c'est bon. Ok, tu me suis, s'il te plaît. Voilà, tu me suis. Alors c'est lui? Non, c'est pas lui que j'ai arrêté. Bon, Voilà, tu me suis. Allez. S'il te plaît, merci, tu me suis. Ah, attends. Parce que du coup, là, c'est un fou, un bordel avec l'autre qui tente de s'insérer, là. Oh là là, mais c'est pas possible. Bon, cette dernière intervention va être assez spéciale. C'est bon, tu peux venir là? Voilà. On va se mettre là. Hop, voilà. Tu me suis toujours, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai une personne.
Bonjour monsieur. Vous conduisez sans ceinture, vous savez que c'est interdit? Alors, je vais vous demander. Alors, j'ai un petit bug là. Je vais vous demander vos papiers d'identification, s'il vous plaît. Alors, Ryder Houston. Houston. Je sais pas comment on dit. Je pense qu'on dit Houston, mais. On sait jamais. Hein? Hein, non, mais oui. Ah, c'était Ryder. Je sais pas, j'ai un truc qui est apparu. Ryder Houston. Ok, il est pas recherché. Son permis est valide. De toute façon, je vais juste lui mettre une amende. Je faisais ça juste pour la routine, quoi. Alors, monsieur, hop. Ah ben, vous savez quoi, on va en profiter pour faire un petit test d'alcoolémie rapidement. Pour voir si il aurait pas éventuellement pris un peu de. Oh putain, si! Alors, monsieur, je vais vous mettre. Ah, je vais même pas m'embêter à lui mettre une amende. Je vais lui demander de sortir. Pour éviter qu'il fuit. Et je peux pas l'arrêter. Monsieur, vous arrêtez, s'il vous plaît. Mettez-vous au sol. Alors, je sais qu'on fait pas comme ça, mais. J'ai foutu la trouille à tous les passants à côté. C'est le problème dans ce jeu. Je sais pas s'il y a un script pour empêcher les PNJ d'être complètement apeurés dès qu'ils voient une arme. On va fouiller le véhicule pour y trouver des choses assez étonnantes. Rien, ok. Alors, centrale, j'aurais besoin d'une dépanneuse sur ma position, s'il vous plaît. Pour récupérer le véhicule de la personne que j'ai arrêtée. Oh, alors forcément elle va passer par là. Tu viens et tu me suis s'il te plaît. Allez, suis-moi. Voilà. Et également un transport sur ma position pour le prisonnier. Enfin le prisonnier. Le suspect que je viens d'arrêter. Ouais, vas-y, passe, c'est bon, allez. Allez, tu peux passer, c'est bon. T'as la place là. Voilà. Allez, bien sûr, il y a lui qui passe en même temps. Putain, mais c'est pas possible. Bon, oh non, mais regardez où il est passé. Bon, c'est pas grave, ça va faire un business encore. Non, c'est bon, il est passé. Parfait. Eh bien, écoutez, je pense que cette petite intervention était notre dernière de cet épisode. Et j'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a plu de le faire, en tout cas. Ah, attendez. Il se passe quoi là? Oh putain, elle est en train de le carjacker! Police, arrêtez-vous! Le suspect refuse! J'aurais besoin de renfort, s'il vous plaît, central. Arrêtez votre véhicule! Ah bah c'est parfait, il est déjà coincé. Non! Police, sortez du véhicule! Pose ton arme! Pose ton arme! Asséné le coup, c'était violent. Où est-ce qu'il va lui? Ah, il me laisse comme ça. Bon, écoutez, ben, on va finir sur ce. On va récupérer les armes. Sur cette intervention assez musclée. Je m'attendais pas. Je l'ai vu arriver là comme ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour un nouvel épisode.